propreté, c'est pour veiller à la propreté de la ville qu'on a fait appel à deux agents assermentés et qui dépendent du cadre de vie et qui sont aujourd'hui avec moi, Antonio Ferreira et Moura Dimitri. Les centres-villes, c'est une priorité parce que c'est là que chaque jour on constate le plus grand nombre de déchets, mais les chemins sont pas oubliés, on fait des tournées chaque semaine. En accord avec les agriculteurs, on a commencé à fermer les chemins. La prévention, le but n'est pas de mettre des amendes à chaque fois qu'on va trouver un sac poubelle, mais c'est plus de dialoguer avec les gens, leur expliquer pourquoi ne pas mettre un sac par terre. Toutefois, ces deux agents sont assermentés et pourront, en cas de récidive importante, mettre des amendes. Le dialogue, bien sûr, le but est de faire de la pédagogie, d'informer les Riomois, mais avec notre système de vidéoprotection, on pourra a posteriori vérifier les contrevenants.